Les de courant. Toujours un bon signe. Y'a quelqu'un? I'm here, in the closet. Agent Estevez? C'est bien vous? Anderson? Je vous avais pas dit de dégager? Visiblement, j'ai bien fait de rester. En effet. Écoutez, ma jambe est HS, alors j'ai besoin de vous. Il y a une personne avec vous. Elle est sous l'emprise d'une chose qu'on appelle l'ombre. Un possédé. Ouais, je m'en occupe. Voilà, c'est bon, Estevez. Votre jambe est bien amouchée. Oui, ça fait très mal. Mais merci d'avoir sauvé ce qui reste de moi. Faut qu'on parle. Qu'est-ce qui s'est passé? Where to fucking start? We came to check out a system alert at Cauldron Lake, but it's worse than we could handle. Real boondoggle. The police, my own agents, most were invaded before we could even react. Vous avez vu mon collègue, l'agent Casey? Oui, on l'a trouvé. Dans la forêt. Il a rencontré l'ombre de près et ça a eu des conséquences. Est-ce qu'il va bien? Il est en vie. On l'a descendu à la morgue pour pouvoir l'examiner. Je n'ai pas eu de nouvelles depuis l'attaque. Où est Wake? Je sais ce qui se passe ici. Wake peut agir. Alan Wake est un para-utilitaire. C'est un mot compliqué, alors on sait que c'est du sérieux. On a dû l'enfermer dans les cellules selon le protocole. Il est lié à l'ombre. Estevez, il faut que je voie Wake. Comment est-ce que j'atteins le bloc de cellules? Ok. Je crois qu'on peut oublier le protocole au point où on en est. Ne me le faites pas regretter, Anderson. Tant que le courant sera coupé, la porte des cellules restera fermée. Il y a une boîte à fusibles au sous-sol. Tenez. Voilà les clés. Je dois... La cellule ne s'ouvrira pas sans courant. Qu'est-ce que le FBC est venu faire ici? Bright Falls est le site d'un événement d'altération du monde.
L'ombre est bien plus puissante que ce qu'on pensait. On est à court de ressources à cause du QG. Mais on a du matériel pour gérer la menace des Obscurs. On a été surpris avant de pouvoir tout installer. Vous m'entendez, Anderson ? Je vous entends. Vous aviez notre fréquence depuis le début ? Écoutez aux portes, ça fait partie du boulot. Mais non, je la tiens de votre collègue. Anderson, cherchez un fusible pour remplacer celui de la boîte à fusils. Ça devrait pouvoir rétablir le courant. Ok, je m'en charge. Casey, c'est toi ? Anderson ? Me tire pas dessus ! Je vais entrer. Hey Anderson, elle te plaît ma nouvelle déco ? Could use a bit more light. Très drôle. Comment est-ce que tu te sens ? Fais pas cette tête d'enterrement, Anderson. C'est qu'une petite blessure. Ça m'a permis d'avoir une discussion sur les ex-femmes avec Kiran. L'agent Estevez, je veux dire. On se fait des nouveaux amis, hein? Je suis jalouse. T'es sûr que ça va? Mais ouais. Et comment ça se passe de ton côté? Quelque chose ne tourne pas. Qu'est-ce qui arrive à Casey ? Je vais crever. Chouette. Une ombre qui rampe juste sous ma peau. Dans ma tête. Appelle mon ex. Dis-lui que je m'excuse. Casey, qu'a désespéré. Il n'a pas l'air en forme. C'est plus grave qu'il le dit. Il a peur. Watery était finalement une bonne piste. J'ai trouvé le rupteur et la secte. Mais l'histoire d'horreur modifie la réalité. Comme l'avait dit Wake. Logan, elle... L'histoire dit qu'elle est morte ici. Mais on peut l'arrêter. Attends une minute. Qu'est-ce que t'es en train de... Logan est morte. Et ça fait... un moment maintenant. L'histoire d'horreur a aussi affecté Casey. Je dois me battre pour eux tous maintenant. Qu'est-ce qui s'est passé à l'hôtel ? Wake ne mentait pas en disant que la secte était à ses trousses. La chose, l'ombre noire, elle existe aussi. Ouais, je l'ai vue. Une espèce de nuage sombre. Wake m'a averti.
L'ombre m'a sonné. Le FBC m'a retrouvé dans les bois après. Je vais tout arranger, Casey. Toi, Logan, tout le reste. Mais il faut d'abord que je rétablisse le courant. Explose-les, Anderson. Mais oublie pas, il y a des choses qu'un interrupteur peut pas réparer. Pour ce qui est du courant, tiens, j'ai trouvé un fusible sur ces enfoirés. Prends-le. Je vais m'en occuper. Bouge pas, Casey. Je te ferai signe quand ce sera sûr. Je compte pas aller bien loin. Un coffre de la secte.
Le shérif Breaker m'en voudra pas d'emprunter ça. J'ai vu des trucs bizarres dans ma vie. Mais faut faire demi-tour. J'ai du boulot. Les cellules. Est-ce que c'est là qu'ils détiennent Wake? C'est fermé à clé. Anderson, bonne et mauvaise nouvelle. Vous pouvez entrer dans le bloc de cellules, mais les obscurs qui étaient dedans sont à l'envers. Ah,
réussi à faire le ménage, Estevez. Je vais remonter. Bien sûr. Anderson, over here. Derrière le comptoir. J'étais à l'étroit dans ce placard. Qu'est-ce qui se passe? J'ai bien galéré à éviter les possédés. Et j'ai fini ici. Enfin bref, je voulais vous prévenir qu'on a enfermé les frères Koskela en cellule aussi. Ce sont les gourous de la secte de l'arbre. Restez sur vos gardes. Souhaitez-moi bonne chance. Selon le service de la chance et des probabilités, ça porte malheur de souhaiter bonne chance dans ce genre de situation. Saga ! Putain de FBI, de FBC, d'ordures du gouvernement qui foutent tout en l'air ! Laissez-nous sortir ! Vous êtes les gourous de la secte. Pas question de vous libérer. Wake va tout foutre en l'air. Saga. Il faut que tu le butes, Saga. Est-ce que vous l'avez... Tirez dessus, putain. C'est typique des fédéraux. Faut que je sorte. Je l'ai, votre docteur. Vous allez changer ça. Vous allez sauver ma fille. Jurez-le. Oui, c'est promis. Mais on n'a plus beaucoup de temps. Allez! Putain, merde, c'est une saloperie de monstre, Saga. Oui. Le voilà. On t'attend depuis un bail, espèce d'ordure. Je vais te réduire en bouillie. Ça avance.
qu'il reviendra. Putain, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Et le double de Wake. Il nous... Fallait me prendre le rupteur. Tout le plan est fichu maintenant. Comment est-ce... L'ombre noire est vulnérable à la lumière vive. Ça, au moins, c'est logique. Je croyais que Wake avait fui l'entre-noir. C'est possible qu'il y soit encore. New York baigne dans un océan de ténèbres. J'ai plongé. Note de mon éditeur. Tu utilises le mauvais temps. Piégé dans une boucle. Mes amis le croiseront quand je serai parti. Et qui est encore piégé dans l'entre-noir. Il l'a peut-être toujours été. Wake est piégé dans l'entre-noir. Il m'a contacté et communique avec moi dans les amalgames. Le FBC est habitué à ce genre de choses, non? Une idée? Attendez une seconde. Vous avez apporté un objet paranormal sans me prévenir, et puis vous avez failli le donner à une entité hostile? Je ne vous faisais pas encore confiance. C'était une erreur. Tout comme de croire grincement. Mais ce n'est pas trop tard. J'ai seulement besoin de mieux comprendre. On est d'accord. Ce serait mieux de se dire qu'on est dans le même camp, non? Alors dites-moi ce qui m'échappe. Le FBC doit savoir des choses. C'est vrai, on a des renseignements sur tout ça. Malheureusement, c'est ultra secret. Mais bon, considérez-vous comme affilié au Bureau fédéral de contrôle. Voici les clés de la cellule où se trouvent les dossiers. Et bonne lecture. Ok. Merci. Chouette équipe. L'histoire d'horreur altère la réalité. Selon elle, ma fille est morte ici, alors qu'elle est censée être chez nous en Virginie. Vous savez si c'est... Les EM sont des distorsions locales de la réalité. Les alentours de la ville ne sont peut-être pas touchés. Parfois, ils s'étendent. Parfois, ils disparaissent. Si on arrive à le faire disparaître, votre fille devrait survivre. J'ai l'impression de vivre un cauchemar. Je ne peux pas laisser ça détruire ma famille. C'est pas facile d'avoir une famille avec notre travail. Les heures sup, les voyages, les mondes alternatifs qui menacent leur existence... Mon ex-femme n'a pas tenu le coup. Kieran, vous êtes bien mieux sans votre femme. Idem pour moi. Tu
Tu te souviens vraiment pas que Logan vivait avec David et moi en Virginie? Je me rappelle que vous aviez des problèmes, David et toi. Vous deviez faire une pause. T'es venu à Watery avec Logan. Et Logan, ça a été l'horreur. Quand t'es revenu bosser, j'ai pensé que tu serais la meilleure pour cette affaire. Si t'étais d'accord pour revenir dans la région. C'est bon. Ça suffit. L'histoire est en train d'altérer ta mémoire. Tous ces souvenirs, c'est de la fiction. Logan est en vie. Je suis en couple. On n'a jamais vécu ici. C'est ça, la vérité. Non. Wake, grincement. Peu importe qui c'est. Il a dit que l'histoire pouvait s'en prendre à nous. Il faut douter de la réalité. Cela dit, comment tu sais que c'est pas l'histoire qui te donne de faux espoirs? Je peux pas les convaincre. Je dois juste changer l'histoire. Grincement s'est fait passer pour Wake, pour nous berner. Il a bien failli m'avoir. J'aurais dû me fier à mon instinct. J'ai eu une sale impression quand on l'a retrouvé au lac. Quand ce nuage monstrueux m'a attaqué dans les bois, j'ai vu un visage dedans. Wake. Je crois qu'il a toujours été un monstre. Monsieur Grassement. Grassement se faisait passer pour Wake. Il m'a manipulé. Qu'est-ce qu'il attendait pour moi? Le repas. Non! C'est moi qui commande. C'est mon entrée mentale. Il est puissant. Bien trop puissant. Sa seule présence ici me rend malade. Comme si la terreur m'envahissait. Je peux sentir sa volonté de récupérer le rupteur. C'est le genre d'affaire que mon ex détestait. Celle dont je risquais de ne pas revenir. C'est bizarre. Les affaires qui pouvaient m'être fatales étaient les préférées de mon ex. Wake n'est pas la première personne dont l'ombre noire a pris l'apparence. Le lac est un passage vers l'entre-noir. Mais c'est quoi? Para-utilitaire. Thank you.
Essaye encore. Je dois savoir à quelle information je peux me fier. L'agent Young leva son écritoire vers la lumière. Il y avait tout l'équipement nécessaire. Il cocha les cases, satisfait. Un bruit de l'autre côté du parking vint soudain l'interrompre. Il scruta les ténèbres. Rien. Il revint au formulaire qu'il signa et data. Estevez voulait que tout soit prêt, au cas où. Young appréciait la prudence chez un supérieur. Estevez avait tenu bon, même après la perte de contact avec l'ancienne maison. Young commença à rentrer. Le bureau du shérif n'était pas très grand, mais au moins, il y avait une machine à café. Young était optimiste. Ils avaient même le para-utilitaire en garde à vue. Encore du bruit derrière lui. Plus près cette fois, il se tourna main sur son holster. Il appela dans les ténèbres. Ce bureau a été saisi par le bureau fédéral de contrôle. Il est interdit de venir ici. Soudain, les lumières vacillèrent, s'éteignirent. Young ne voyait plus rien. Puis, depuis l'intérieur du bureau, les cris s'élevèrent. Wake m'a dit que le rupteur réparerait tout. Wake était en fait grincement. Comment je pourrais croire tout ce qu'il m'a dit? Il faut que l'artiste achève son œuvre. Ça tourne à l'orage avec lui. Il va falloir se remuer les miches. On te l'a déjà dit, gamine. C'est vrai ce qu'a dit Tom sur l'interrupteur. Te laisse pas troubler par l'histoire. Il faut qu'il écrive la fin de ton choix. Le rupteur peut en faire une réalité. Mais on n'a pas Wake. Tout ce qu'on a appris sur le rupteur était vrai. Il mentait pas. Grincement a dit que le rupteur pouvait changer l'histoire. Est-ce que c'est aussi ce que vous avez compris? L'interrupteur est un objet surnaturel, peut-être même un objet de pouvoir. Selon des rapports vérifiés, il était entre les mains d'Alan Wake pendant l'EAM qu'il y a eu ici. S'il te plaît, Blake. Il est bien de rien. Oui, ça, c'est certain. Je peux trouver un plan. J'ai peur. Toujours. Le rupteur peut régler ça. Mais il faut Wake pour l'utiliser. Thor connaît toutes ces choses. Il pourrait m'aider. Comment je peux le libérer? Wake est encore dans l'entrepôt. On vit et on respire rock'n'roll. Dans les cris silencieux. Dans les rêves trop fiévreux. Le rupteur peut amplifier d'autres arts. Pas seulement les écrits de Tom. Tout ce que la passion a pu créer. Le pouvoir sombre du lac transformera tout en réalité. Mais si le détenteur du rupteur croit vraiment en l'art, il peut en faire une réalité en l'activant. Je peux utiliser le rupteur sans Wake. Seuls les écrits de Wake peuvent changer l'histoire d'horreur. Mais je peux utiliser le rupteur pour changer autre chose. Faire sortir Wake de l'entre-noir. J'utiliserai le rupteur pour changer la réalité et ramener Wake à Cauldron Lake. Il me faut la bonne œuvre d'art, et ce sera pas un problème.
C'est ça. Le rupteur augmente les altérations de réalité suggérées par une œuvre d'art, les rendant permanentes. Je sais quoi faire. Je dois donner aux autres la marche à suivre et tout arranger. Pour de bon. Donc il faut que Wade corrige cette histoire, c'est bien ça. Rien n'a changé. Voilà ce que je sais. Wake est toujours dans l'entre-noir, sous le lac. Le rupteur devrait pouvoir le sortir de là. Mais il nous faut une œuvre d'art. Autre chose que son histoire. Ça le ramènera ici. Je vais rien consigner pour cette affaire. Je saurais pas quoi écrire. Mais ça me va. Ok. Écoutez, j'ai l'impression qu'on pourra pas faire demi-tour une fois la machine lancée. Vous êtes sûr d'avoir bien pensé à tout? Je suis prête à aller à Cauldron Lake. Mettons notre plan en marche. D'accord, c'est parti. On se tient à dispo. Dites-nous ce qu'on peut faire. Je vais à Cauldron Lake avec le rupteur. Grincement va te traquer, Anderson. Tu vas avoir besoin d'aide. Je vois bien que je pourrais pas te convaincre de rester, Casey. Estevez, y a un moyen d'emporter ces spots jusqu'au lac? Je gère ce problème, donc pas de souci. Et j'emporterai notre unité de détention mobile. Elle est conçue pour des entités comme Grincement. Et cette œuvre d'art, Anderson, c'est quoi le plan pour ça? Je passerai des coups de fil en route. Retrouve-moi à Cauldron Lake. Thor, j'ai besoin des All Gods of Asgard. Il me faut une chanson spéciale. Tu t'en doutais, pas vrai? Avec Batman. Bien sûr. J'ai besoin d'une chanson sur Alan Wake. Sur le fait de le sortir de l'entre-noir. J'espère qu'il gère encore. Décroche. David. David.
C'est moi. Où est-ce que... Stop. Maintenant, tu dois m'écouter. Tu es parti. Tu as emmené ma fille loin de moi. Et tu l'as laissée. Elle est morte à cause de toi. Je ne veux plus jamais que tu me contactes. Ne m'appelle plus. David! C'est de pire en pire. Ça s'étend. Je vais bientôt manquer de temps. Anderson, on vous les met où? Mettez-les sur la rive. On doit être prêts si le lancement débarque. Ouais, on sera paré. Terminé. Ça doit être Thor et Odin. Je devrais aller voir. Gamine, on est presque au concert. Et Odin a écrabouillé quatre larbins des ténèbres. Ah, ah, le bus est notre marteau. J'appuie d'une seule main. Vous devez me retrouver sur la rive. La chanson est prête? Oui, presque. Odin a un super refrain. Et l'arbre, l'arbre. Quel arbre? Y a pas d'arbre dans la chance. Ah, qui a eu l'idée de mettre un arbre en plein milieu de la route? On n'est pas sur une route. Conduis doucement, grand-père. Allez, pied au plancher, vieux. Faisons crisser le métal. Ouais. Ça, c'est de la conduite rock'n'roll.
encore un coffre fermé. Les lumières et l'unité de détention sont prêtes, Anderson. Parfait. Thor et Odin sont déjà là? Les dinosaures du rock? Ah, ils sont là et avec de l'alcool. Je les adore déjà. Faut se les farcir. Vous vous demandiez quelle arme on utiliserait? Eh bien, c'est eux. J'arrive tout de suite. Il y a une cantine ici. Un, deux. Est-ce que ça va?
sent pas bon. Histoire de vous faciliter le travail. La mauvaise nouvelle, c'est qu'on était pressé et que le courant est instable. Votre équipier va tenter de le maintenir. Je suis pas un putain de mécano. On aurait besoin de votre technicien, Kiran.